Alors nous sommes dans le parc de la Villette, donc pour la deuxième édition, nous faisons le lancement du printemps de la bio en association et accueilli par le parc de la Villette, donc avec un certain nombre d'activités, notamment présentation de l'exposition photo. Avant, nous avons commencé par notre conférence de presse annuelle où on lance le printemps de la bio, mais aussi on présente un peu tous les chiffres de l'évolution de la bio par rapport à l'année précédente. On est autour de plus 9% et ce qui est intéressant, c'est que c'est en bonne corrélation avec la consommation, puisque les consommateurs aussi, il y a une augmentation qui est de l'ordre de 9% aussi. Il y a un stand où on vend des produits de plusieurs lycées agricoles, mais moi, mon côté du stand, on vend uniquement des légumes biologiques qu'on a récoltés hier. Avec de la rhubarbe, de la salade, des fraises, des courgettes, tout ça bio. On est là aujourd'hui pour mettre en avant notre école et pour montrer qu'il faut manger un peu plus bio dans la vie. C'est sain pour la santé et que si on met en avant le bio, peut-être qu'il y aura moins de problèmes dans la nature avec tous les produits qui sont déversés dans les rivières surtout. Alors depuis déjà quelques années, il y a une promotion du bio qui a été mise en place au sein de l'enseignement. Et chaque établissement a développé une agriculture biologique. Bon, il se trouve qu'à Morlaix, l'exploitation est en bio depuis l'an 2000 et les 18 hectares de l'exploitation sont 100% bio. Alors depuis quelques années, on a vu s'installer beaucoup de jeunes en maraîchage bio sur des circuits courts. Donc là, suivant les territoires, ça commence à être à peu près comblé. Par contre, il y a une carte à jouer sur le circuit court, mais en direction des cuisines centrales de lycée ou de collège. Où là, dans le programme national, on doit introduire un certain pourcentage de légumes bio dans les cantines. Et là, on a notre carte à jouer à ce niveau-là aussi. On est dans le projet du plan Ambition Bio, discuté avec la on est dans cette stratégie qui consiste à associer le niveau de la production avec le potentiel de la consommation. Il n'y a rien de pire qu'à un moment, plus de production ne trouve pas de débouchés sur les marchés, parce qu'à ce moment-là, c'est les prix qui chuteraient et c'est l'équilibre économique de la filière qui serait remis en cause. C'est pour ça que, en moyenne, par an, c'est 160 millions d'euros qui seront mobilisés sur ce plan ambitieux. Moi, je voudrais vous dire à quel point je me réjouis de voir le ministère de l'Agriculture s'engager dans ce programme Ambition Bio, qui a bien sûr tout le soutien du ministère de l'Écologie et du Développement Durable. D'abord parce que cette agriculture biologique s'inscrit complètement dans la transition écologique. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois la question de l'eau, la question de la biodiversité, la question des circuits courts, la question de l'aménagement du territoire, la question de la présence d'actifs en milieu rural qui participe aussi du maintien des paysages. Bref, on voit que dans l'agriculture biologique, il y a tous les aspects du développement durable. Et c'est pourquoi le partenariat entre l'État et les régions est aussi quelque chose de crucial pour monter en puissance et pour obtenir le doublement des surfaces agricoles en agriculture bio à l'échéance 2017. Et je suis convaincue que nous allons y parvenir. Non, c'est pas vraiment de la part des paysans bio. Voilà. On fait tout là-dedans. Des céréales qui sont en cours. Ouais,